Je vous salue tous les chers amis qui se joignent à nous, les fidèles comme les nouveaux, et ceux qui sont ici sur Zoom, ainsi que ceux qui sont sur les réseaux sociaux et que Nilou administre via Facebook et que Ida contrôle. Alors, ensuite, je vous rappelle que le calendrier des conférences de l'hiver 2021. Le calendrier est disponible aussi, me disait Ida, sur le chat, dans la fenêtre du chat, et il est en tous les cas sur le site, sur notre site de la chaire. Mais de toute façon, donc, après Marie-Josée, qui ouvre le feu en philosophe, nous avons le 23 février Antoine Chollet, qui est de l'Université de Lausanne en sciences politiques, et qui fait, c'est un beau titre son intervention, c'est en état de siège, enfin non, j'ai oublié, je m'excuse, oublié ce que j'ai dit. Laurent Debrie, le 9 mars, de l'Université de Namur, et qui est également en sciences politiques, et je crois qu'il est déjà intervenu il y a 2 ans à la chaire MCD, c'est-à-dire de Duchâtel et Joseph Yvon. Thériault. J'ai dit Joseph Yvon. Ok. Mais pour moi, c'est la chaire de juge. Alors, j'ai la reconnaissance du ventre ou des sous. Et puis, le 13 avril, nous revenons à la philosophie avec Jean-Marc Narbonne, qui va bâtir sa conférence autour de la notion de crise. Parce que c'est moi-même qui le lui ai demandé, il a fait un très beau livre, un dernier livre, qui est apparu sur Antigone et la démocratie dans l'Antigone, dans Antigone. Et vous connaissez ses talents d'orateur, ça va être très intéressant. Et finalement, le 20 avril, si ça se goupille, nous avons Omer Moussali et une sorte de table ronde autour de son livre, comme nous avons eu avec M. Lincourt. Ce sera la même chose avec Omer. Tous les enregistrements, je vous rappelle, c'est important ça, à noter, que les enregistrements de toutes nos conférences sont disponibles sur notre site www.unesco.cherphilo.ucamca et aussi sur la page Facebook de la chaire. Et avant d'introduire, vous me permettez 2 mots. Je rappelle, et ça tombe bien avec le sujet de la conférence de Marie-Josée, que l'an prochain, que la semaine, que demain, il y a la journée que célèbre, que lance l'UNESCO en commémoration de l'Holocauste. Et exactement, j'ai mis aussi cette information sur la chaire. Et puis, une seconde information, je suis très triste d'annoncer que notre ami Sébastien Goupy, qui était à la barre de la Commission canadienne de l'UNESCO, qui a tant fait pour cette commission en lui redonnant énergie, pertinence et intervention, va démissionner enfin imminemment, et parce qu'il quitte la fonction publique et veut relever d'autres défis. On le regrettera non seulement parce que il a fait si bien, mais aussi parce qu'il était un ami de l'UQAM et du département d'histoire et de philosophie, et c'est un ancien étudiant à nous et qui nous protégeait bien. À
Allez, voilà, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, maintenant, nous allons écouter avec plaisir Marie-Josée. Marie-Josée. Oui. José Nathan, je passe la parole, oui, je passe la parole à Jean-Claude Simard qui va te présenter dignement. Merci, Josiane, merci. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue d'abord à nos habitués qui connaissent un peu la formule. Bienvenue aux nouveaux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, je vous rappelle un peu le déroulement de la séance. On va d'abord entendre Mme Lavallée. On devait avoir un commentaire de Yves Couture, mais pour des raisons de force majeure, ils ne pourront pas être présents. Alors, on va fonctionner sur le format forum. Après la conférence de Mme Lavallée, je reviendrai pour vous expliquer un peu le fonctionnement de cette formule qui est un peu spéciale, qu'on a expérimenté avant Noël. Ça s'est très bien passé, c'est fort intéressant. Je vous rappelle aussi que les séances sont enregistrées, donc si jamais vous voulez les réécouter, c'est possible. Et qu'on a des gens qui nous suivent à la fois en direct ou d'autres sur Facebook. Alors, il y en a sur le site d'HL, il y en a sur Facebook. Alors, on a plusieurs sources. Et je vous présente maintenant Mme Marie-Josée Lavallée. Alors, Marie-Josée Lavallée est chercheuse et enseignante. Et c'est une spécialiste de la pensée d'histoire des idées politiques. Elle a fait essentiellement sa formation à l'Université de Montréal avec un bac en histoire et études classiques, suivi d'une maîtrise en études classiques et d'un doctorat en histoire qu'elle a terminé en 2014. Et son doctorat avait pour titre « Pensée politique totalitarisme, lire Platon avec Hannah Arendt ». Donc, elle associe une lecture contemporaine et les origines de la pensée politique occidentale. Et cette thèse a mené à une publication en 2018 auprès de l'Université de Montréal avec le même titre, en inversant seulement le titre et le sous-titre, donc ça a été adapté, « Lire Platon avec Hannah Arendt, pensée politique et totalitarisme ». Elle est actuellement stagiaire postdoctorale au département de sciences politiques de l'UQAM et elle est aussi chargée de cours, si j'ai bien compris, au département d'histoire de l'Université de Montréal depuis 2013. Avant que je vous dise un mot de sa conférence et de son titre, pour la petite histoire, je vous mentionne que Mme Lavallée s'intéresse beaucoup aux langues, parce qu'en plus de maîtriser le français et l'anglais, évidemment, comme la plupart des personnes à Montréal, elle a une bonne maîtrise aussi de l'allemand et elle a commencé des études de russe. Grec ancien du latin. Évidemment, grec ancien, latin qu'elle lit, mais pour ses études sur les origines de la pensée occidentale, je pense que c'est fondamental. Ses recherches en cours expliquent un peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui parce qu'elle fréquente beaucoup les penseurs allemands des années 30 à 70, en particulier ceux de l'école de Francfort qui sont exilés aux États-Unis. Et elle croise cette étude avec une réflexion sur les crises de la démocratie qui a été évidemment très, très forte dans les années 30 et qu'on retrouve aujourd'hui d'une certaine façon. Alors, j'entendais juste avant la conférence qu'elle ne va pas parler d'Habermas comme on le fait régulièrement, mais plutôt des premiers penseurs de l'école de Francfort, les originaux, c'est-à-dire Adorno, Horkheimer, peut-être Benjamin ou Marcuse, sans doute. Hein. Et le sujet de sa conférence, donc, c'est entre barbarie et utopie. Pandémie et démocratie à la lumière de l'école de Francfort. Alors, elle dispose d'environ 25 minutes. Et après quoi, je reviendrai pour rappeler un peu le format du forum. OK, j'avais du matériel pour une heure. Ça va être un peu problématique. Je vais devoir sauter beaucoup d'arguments. Bon, on va voir. Bien, peut-être vous pourrez y revenir durant le forum qui va suivre. D'accord, je vais essayer de m'orienter comme ça, mais bon, ça va être difficile. Bon. Faites-vous confiance. À quelle page, quand même? Alors, la parole est à vous, Mme Lavallée. Parfait. Alors, je vais vous partager mon écran, mais ça ne sera pas le cas tout le long, seulement pour peut-être vous amener à réfléchir déjà sur quelques petites citations qui expliquent le choix du titre.
Alors, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de porter un regard théorique sur les mouvements actuels de la démocratie, régressifs et progressifs, informés par l'œuvre de trois penseurs attachés à la première école de Francfort, donc Theodor Adorno, Max Horkheimer et Herbert Marcuse. Leurs travaux puisent à un fond théorique commun et sont à la fois complémentaires et en accord. L'analyse va prendre appui aussi sur une série d'études empiriques sur la démocratie, mais puisque mon objectif, c'est de tenter de saisir leur portée plus générale, bien évidemment, je vais prendre une distance avec les données du terrain. Distance qui est une condition sine qua non d'une approche théorique. Nous sommes arrivés à un point tournant de l'histoire. Si nous avons cheminé longtemps dans la grisaille, notre époque nous confronte à de forts contrastes, au noir et au blanc. Quoi qu'il soit encore trop tôt pour se prononcer sur la direction que l'histoire va emprunter, s'efforcer d'entrevoir les directions possibles est certainement un exercice salutaire et peut nous aider à faire des choix conscients et responsables. Les mouvements de la démocratie, donc selon la nomenclature consacrée, sont décrits à l'aide des termes autocratisation, qui décrit les régressions de la démocratie à différents niveaux, et démocratisation, qui signale le contraire, donc des progressions. Puisqu'il s'agit évidemment de processus, et bien ce sont des tendances qui sont dynamiques, mais il est important de se questionner sur les directions vers lesquelles elles pointent et sur leur destination ultime. Elles peuvent se résumer, selon moi, avec les termes barbarie et utopie, d'où le choix de ces termes qui sont utilisés à répétition par Adorno, Horkheimer et Marcuse pour décrire respectivement les tragédies politiques et les périls de leur époque et, sur une note positive, des possibilités émancipatrices. En regard du premier terme de l'alternative, donc barbarie, je vais explorer l'hypothèse que le terme de fascisme puisse s'appliquer à la forte tendance récente à l'autocratisation. Dans un deuxième temps, je vais proposer que l'utopie se met parallèlement en marche, en appliquant les réflexions d'Adorno, Horkheimer et Marcuse aux tendances récentes. Bon, en guise de préambule, je commence avec ma première section. Je vais arrêter... je vais maintenir le partage d'écran parce que je vais vous montrer des données bientôt. Je vais donc commencer par brosser un portrait sommaire de la situation récente basé sur des études empiriques produites notamment par VDEM, Freedom House et The Economist. Ces organisations sont unanimes. Un courant d'autocratisation est en marche depuis le milieu des années 2000. Et ce courant s'est amplifié au cours des 10 dernières années, mais l'année 2019, selon ces organisations, aurait marqué vraiment un sommet au chapitre de l'autocratisation. Donc, on est avant la pandémie, n'est-ce pas? Donc, les attaques contre les médias, les atteintes à la liberté d'expression, la répression des acteurs de la société civile et notamment des limites sur la liberté d'association, la neutralisation de l'opinion politique, de l'opposition politique, pardon, et les manipulations du processus électoral sont les domaines où les régressions démocratiques les plus importantes ont été observées au cours de la décennie 2009-2019. Donc, je vous présente juste ce petit tableau qui nous donne un aperçu général compilé par BIDEM, donc sur la base d'études empiriques. Autre point aussi de souci majeur, l'état de droit et les contraintes sur le pouvoir judiciaire et législatif qui posaient également problème donc, durant cette même période. Alors, finalement, sur un champ aussi bien labouré, il n'est pas étonnant qu'autant de violations soient relevées dans le contexte de la pandémie, qui s'inscrivent d'ailleurs sur les mêmes axes et amplifient les tendances déjà observées. De nouveaux types d'abus aussi sont constatés. L'état d'urgence, évidemment, implique un certain court-circuitage des mécanismes institutionnels et impose des limites aux droits et libertés. Mais de nombreux gouvernements ne se sont pas limités à des restrictions proportionnées, nécessaires et non discriminatoires. Depuis mars 2020, en outre, de nombreux pays qui n'avaient pas causé d'inquiétude jusque-là ont joint les rangs
des pays sous observation. Là, je me rends compte qu'il faut que je retourne à ma diapo. Je croyais que je n'avais pas besoin. Bon, voilà. Alors, une carte ici établie par BIDEM, donc qui montre, pardon, l'état des violations enregistrées entre mars et décembre 2020. Et ces données sont mises à jour assez régulièrement. Alors, on constate que dans plusieurs cas, des mesures exceptionnelles ont été annoncées sans terme clair, ce qui fait craindre une pérennisation, surtout quand on voit des abus. Et ça, tout particulièrement où le processus d'autocratisation était déjà bien installé. Des dirigeants ou partis au pouvoir ont initié aussi un processus de concentration en s'attaquant aux freins et contrepoids et à l'opposition, tandis que des rapports d'élections, bon, qui étaient dans certains cas justifiables, dans d'autres répondaient plutôt à un calcul politique. Des mesures ouvertement discriminatoires basées sur la race, le sexe, la religion, la langue, l'origine sociale ou le statut, certaines visant tout particulièrement les migrants, les demandeurs d'asile, les travailleurs migrants et les réfugiés, ont été observées et ont donné lieu, dans certains cas, à des réclusions, des emprisonnements. Et donc, renforçant finalement dans un même geste ce courant xénophobe qui ruine déjà le climat démocratique depuis au moins une décennie. Les atteintes aux droits, qui étaient déjà préoccupantes, se sont étendues aux droits dérogeables, c'est-à-dire le droit à la vie et celui de ne pas subir la torture ou de traitements inhumains. Tandis que l'usage abusif de la force pour faire respecter les règles sanitaires gagnait du terrain. Des campagnes de désinformation et des restrictions supplémentaires sur les médias sont venues affliger encore davantage un secteur qui était déjà très attaqué. BIDEM, en 2019, estimait en fait que 54% de la population mondiale vivait sous une autocratie, c'est-à-dire, selon la nomenclature de ces index, des pays qui ont quitté le spectre de la démocratie et ont joint le pôle inférieur du spectre politique. Parce que tout se joue entre démocratie libérale et autocratie, donc dans ces index. Et que 35% de la population mondiale vivait dans des pays en processus d'autocratisation, contre seulement 8% des pays de l'échantillon examiné qui étaient en voie de démocratisation, donc où on voyait finalement des améliorations significatives. Il faut, à mon avis, prendre ces données-là très au sérieux, d'autant plus que l'autocratisation gagne en vigueur depuis le début de la pandémie avec toutes ces nouvelles violations en fait, qui sont soit amplifiées, soit encore on en invente de nouvelles, on les diversifie. Et parce que c'est très simple, la situation a rendu inutile certaines précautions et autorisé des mesures audacieuses. Et donc, crucial de se demander dans quelle direction ces violations et tendances risquent de nous conduire. Alors, les catégories de populisme ou d'autoritarisme sont les plus couramment utilisées, on le sait, pour rendre compte du phénomène d'autocratisation aujourd'hui. Après examen, toutefois, il se révèle quand même flou et plus ou moins éclairant. Le populisme, comme le soulignait Enzo Traverso dans un livre récent, décrit plutôt un style politique, une idéologie en tant que telle et certainement pas une forme politique. Tandis que l'autocratie, ça caractérise un mode de gouvernance et un certain état de la société civile fondé sur la centralisation et la contrainte, mais qui admet des attributs démocratiques, bien que de façade. Nous sommes donc confrontés à des phénomènes politiques informes, hybrides, mixtes, qui ne correspondent pas dans le détail, finalement, à ces régimes dictatoriaux qu'on a vus émerger il y a un siècle. Par contre, la prédilection pour les concepts de populisme et d'autoritarisme pourrait s'expliquer au moins partiellement par le regard désapprobateur que s'attire toute déclaration ouverte aujourd'hui de désamour pour la démocratie, et ce, même chez ses fossoyeurs les plus immédiats. Donc, je me propose d'explorer le concept de fascisme pour rendre compte des phénomènes récents et entrevoir leur nature et leur direction. Le terme fascisme est souvent entouré de tabous et largement discrédité. Que le qualificatif fasciste soit appliqué pour stigmatiser des opposants, sans effort de clarification, ça n'incite certainement pas à une réflexion posée.
Selon un point de vue répandu, le concept de fascisme ne s'appliquerait qu'à certaines expériences du passé. Bien que le fascisme, en fait, n'a jamais été monolithique, il y a un certain consensus qui se dégage autour de quelques caractéristiques. Donc, le fascisme aurait pour figure centrale un chef charismatique qui déclare ouvertement sa haine de la démocratie. Il se caractériserait, les régimes fascistes, par des pratiques de gouvernement dictatorial impliquant un usage routinier de la répression brutale et ouverte, créant par là un climat d'insécurité endémique. Il poursuivrait un projet de société exclusif, appuyé sur et justifié par une idéologie positive. L'économie est planifiée, sous contrôle étatique, et le pouvoir de l'État est monopolisé par un parti. Le nationalisme xénophobe, le racisme ouvert, et là, bien sûr, on pense à l'antisémitisme dans le cas du fascisme allemand, et une conception organique de la nation le caractériserait également. Bon, il y a beaucoup de ces traits qui rappellent un peu de loin des choses qu'on a sous les yeux, mais d'autres non. Je vais donc confronter ces éléments aux tendances, mouvements et formations d'aujourd'hui à partir des écrits d'Adorno, Horkheimer et Marcuse. Je vais m'appuyer sur le concept de post-fascisme tel que décrit par Enzo Traverso dans un livre récent, The New Faces of Fascism. Traverso fait une distinction très éclairante entre le néo-fascisme qui impliquerait en fait un espèce de retour du même, une réactivation d'un fascisme passé, donc qui est disparu et qu'on voudrait répliquer aujourd'hui. Et c'est probablement en fait cette conception de néo-fascisme qui conduit à son rejet, parce qu'on s'attend à avoir un retour du même et on se dit non, mais ça fonctionne pas. Il oppose à celui-ci le concept de post-fascisme. Le concept de post-fascisme est intéressant parce qu'il situe le fascisme dans une séquence historique qui implique à la fois une continuité et une transformation. Si le post-fascisme remet en scène certains éléments du fascisme classique, il leur en ajoute de nouveaux, de façon à créer une espèce de mélange unique. Le concept de post-fascisme permet certainement d'envisager le fascisme comme un phénomène qui s'adapte aux particularités de son environnement, comme un phénomène historique au sens où l'entendaient Horkheimer, Adorno et Marcuse, c'est-à-dire au sens où il représente les conditions immédiates dans lesquelles il émerge, j'en ai le portrait. Donc, Adorno, Horkheimer et Marcuse ont vécu le fascisme allemand et l'ont analysé dans leurs écrits, tirant profit d'un contact empirique avec le phénomène, mais malgré tout, ils se sont intéressés, ils ont observé aussi certaines tendances fascistes en contexte démocratique et à des époques ultérieures. Donc, c'est pour ça que leurs écrits sont particulièrement intéressants pour le problème qui est abordé ici. Ils ont étudié ces mécanismes, se sont efforcés de dégager les facteurs qui attiraient les foules vers le fascisme. Ils étaient tous trois persuadés que la mort du fascisme classique, là, je prends le terme qu'utilise Traverso donc pour faire la distinction avec le post-fascisme, là je vais vous amener à une diapo où j'ai une citation qui s'en vient. Pardon. Alors, ils étaient persuadés donc que sa mort n'impliquait pas automatiquement sa disparition, et qu'il pouvait très bien se transformer en courant souterrain qui peut remonter à la surface dans une diversité de contextes et sous certaines circonstances. Adorno, en 1959, donc dans « Que signifie repenser le passé », écrit en évoquant la société ouest-allemande de l'époque, « On veut se libérer du passé, à tort, parce que le passé auquel on voudrait échapper est encore très vivant. Le national-socialisme se perpétue, et même aujourd'hui, nous ne savons toujours pas si c'est seulement comme fantôme de ce qui était si monstrueux, s'il n'est pas encore mort de sa propre mort, ou bien s'il n'est pas mort du tout. Si la disposition à commettre l'indicible perdure à l'intérieur des êtres humains, comme les conditions qui les détreignent. Je ne veux pas aborder la question des organisations néo-nazies, indique Adorno. Je considère que la survie du national-socialisme à l'intérieur de la démocratie est potentiellement plus menaçante que la survie des tendances fascistes contre la démocratie. Fin de la citation. Alors, ce qu'on sent dans cette caractérisation d'Adorno, c'est un peu ce contraste que je vous présentais entre néo-fascisme et post-fascisme.
Donc, ce qu'il dit, c'est que lui, ce n'est pas le néo-fascisme qui l'intéresse, donc ces organisations néo-nazies. Il sent qu'il y a autre chose qui est en jeu. Donc, il y a quelque chose qui est comme un courant souterrain qui prend une forme et qui est capté par le concept de post-fascisme ici. Je vais donc débuter avec la distinction implicite aujourd'hui entre autoritarisme et fascisme. L'autoritarisme, dont la forme pleinement développée est aujourd'hui appelée autocratie, comme je le disais, renvoie d'abord à un mode de gouvernance et un certain état de la société civile. Pour Horkheimer, Marcuse et Adorno, l'autoritarisme ou autorité décrit des tendances beaucoup plus générales et profondes qu'on ne rencontre pas seulement sous le fascisme pleinement développé, mais qui le contiennent à l'état de latence. Leur potentiel fasciste s'active dans certaines circonstances. Alors, le texte clé ici pour saisir tout ça, c'est « Autorité et famille » de Horkheimer, donc qui est paru en 1936, dont les trouvailles éclairent aussi les analyses de ses collègues Marcuse et Adorno. L'autorité n'est pas seulement une propriété de l'État autoritaire. L'État autoritaire chez Horkheimer et Marcuse est synonyme d'État nazi. L'autorité produit aussi la société autoritaire et la personnalité autoritaire qui a été décrite en détail par Adorno. Si bien sûr on les rencontrait au temps du fascisme allemand, la société et la personnalité autoritaire ne sont pas exclusives à ce contexte. L'autorité, qui est vectrice du fascisme, se diffuse à travers les couches du tissu social et peut, à terme, l'invader tout entier. À la base, l'autorité renvoie à des relations humaines structurées hiérarchiquement, des relations de domination dont le fondement, et ça je vais y revenir, est économique. Ces relations s'étendent au terrain politique et social, elles sont reproduites par les institutions culturelles et leur champ d'action, et teinte aussi les relations privées, souligne Horkheimer. Sauf que parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on a de la difficulté à les saisir, à les constater, eh bien, l'individu a tendance à les considérer naturels, immuables, et il les accepte comme tels, même si, au final, elles lui causent du tort. On contraint de se plier pour survivre, l'individu a tendance à les considérer nécessaires. Cette structure complexe de l'autorité, comme le disait Horkheimer, a atteint son apogée dans le libéralisme parce que la compétition économique et le culte du succès génèrent des inégalités économiques et par conséquent des rapports de subordination. Toutefois, on rencontre le même ferment autoritaire au cœur de l'État autoritaire. Donc, finalement, c'est ce filon qui s'hypertrophie à un certain moment. Et étant au fondement des relations sociales, l'autorité peut s'étendre au pouvoir étatique. Là, je vais projeter de nouveau ma prochaine citation qui vient de Autorité et famille. Donc, le fascisme implique l'autorité. Il en est une expression hypertrophiée qui prend corps dans l'État. Alors là, je lis quelques extraits seulement de cette citation. « Les masses populaires ne peuvent approuver complètement l'État que si les rapports de dépendance ne leur posent pas de problèmes véritables. C'est pourquoi, en tentant d'assimiler la structure autoritaire de notre époque au rapport entre le chef et ses partisans, de donner à la reconnaissance de cette hiérarchie une valeur fondamentale absolue, on devrait nécessairement aboutir à un échec. » En politique, le gouvernement autoritaire est efficace parce que de grandes masses reconnaissent, consciemment et inconsciemment, que leur état de dépendance économique est nécessaire, ou du moins parce qu'ils ne le comprennent pas très bien. Et cette situation renforce à son tour la situation politique. Et voilà, fin de la citation. Alors, la société autoritaire donc produit chez l'individu une structure psychique adaptée, structure qui le conduit à approuver la situation présente en tant que telle et à vivre dans la dépendance d'ordre imposé et de volonté étrangère. Là, je cite. Ce que Horkheimer décrit ici et ce que Marcuse dans ses textes de l'époque appelle l'attitude terre à terre ou matter of factness et Adorno le culte des faits
Eh bien, ça, c'est la propension à considérer l'ordre et l'état de choses existants comme ce qui est juste et vrai et à s'y soumettre. Il s'agit non seulement de l'un des traits de la personnalité autoritaire dégagée par Adorno, mais aussi de l'élément le plus typique de la mentalité fasciste. Et là, je cite, « le ferment psychologique du système national-socialiste ou du fascisme ». Et bien sûr, cette attitude-là caractérise aussi le discours du leader fasciste, comme je vais peut-être avoir le temps de préciser. Donc, cette disposition, elle nuit à la capacité à appréhender les forces et les processus sociaux et économiques actifs, et elle ruine aussi la pensée critique et bien sûr avec elle la résistance, la capacité de résister. C'est pourquoi le culte des faits, donc cette attitude, est à la source du conformisme, qui est le ciment qui assure la cohésion des sociétés autoritaires, telles que décrites par Horkheimer, et l'un des principaux facteurs de vulnérabilité à la propagande fasciste, selon Adorno. Donc, le conventionnalisme, la rigidité, l'incapacité à réagir, à expérimenter, l'absence d'autoréflexion et un mode de pensée fondé sur les catégories du pouvoir et du non-pouvoir sont les autres traits typiques de cette personnalité. Bon, tout ça peut nous donner à réfléchir à une époque où le conformisme et la crédulité sont répandus, la crédulité étant alimentée par la désinformation, toute une série de superstitions, d'histoires qui circulent beaucoup, pendant que la démagogie de droite se fait entendre haut et fort et que les grands idéaux émancipateurs n'ont pas tout à fait regagné leur droit de citer. Mais la personnalité autoritaire, indiquait Adorno, se retrouve chez l'individu potentiellement fasciste, donc chez l'individu qui se trouve en contexte démocratique. Il l'a d'ailleurs identifié aux États-Unis dans les années 40 et il l'a vu aussi dans l'Allemagne des années 60. Bon, le soubassement de cette structure d'autorité, comme je le disais, étant économique, eh bien, découvrir les circonstances de l'hypertrophie de l'autorité dans les relations sociales et de son incarnation dans le pouvoir d'État appelle une considération des structures et du contexte économique. L'une des principales matrices des dérives autoritaires et du fascisme serait à rechercher du côté du capitalisme dans sa phase avancée, dans ses phases avancées. Donc, dans l'État autoritaire, en 1942, Horkheimer décrit le fascisme comme la phase du capitalisme qui succède à la phase libérale. La phase fasciste ou phase autoritaire, qui est la même chose, prend son envol quand le capitalisme en crise, déjà transformé en capitalisme monopolistique, parce que, évidemment, le principe de l'efficacité favorise cette transformation, eh bien, il se retranche dans l'État autoritaire et se mue en capitalisme d'État, dont l'une des variantes est l'État fasciste, l'autre étant l'État socialiste, selon ses penseurs. Le capitalisme monopolistique, il figure d'ailleurs en tête de liste des conditions toujours existantes du fascisme listées, relevées par Adorno en 1967. À l'époque, la peur du chômage saisit les masses, note Adorno, tandis que la tendance toujours dominante à la concentration du capital entraîne la possibilité permanente d'un déclassement de couches sociales bourgeoises. Le fascisme classique, il appartient à la première phase du capitalisme monopolistique, donc de 1890 à 1970, tel que périodisé par Samir Amin dans ses travaux. Nous vivons actuellement la seconde phase, qui a commencé en 1970. Et bien sûr, nous sommes dans le sillon aussi de crise économique, d'abord celle de 2008 et maintenant celle née de la pandémie. Donc, le chômage, la précarité et l'insécurité sociale présentes sont non seulement croissantes, mais bien sûr, il y a toute une anxiété hein, qui accompagne ça. Horkheimer écrivait en 1942 que le capitalisme d'État est l'État autoritaire d'aujourd'hui. Mais il est douteux que ce scénario se répète. En effet, l'environnement économique global est beaucoup plus interdépendant qu'il ne l'a été, donc il est plus complexe qu'à toute époque. Bon, depuis le 19e siècle, la mondialisation économique est une réponse à l'impératif de sécuriser l'accumulation maximale,
Et cette phase de mondialisation plus intensive du 19e siècle, elle s'inscrivait sur la toile de fond des fascismes classiques, avec évidemment la concentration, donc les tendances monopolistiques. Mais la Grande Guerre a mis une halte, a imposé une halte brutale à cette phase de mondialisation et toutes les relations qu'elle a générées. Pardon. Donc, la perturbation des circuits d'échange et des flux de capitaux, accompagnée de la crise économique d'après-guerre et, bien sûr, on sait le crash de 1929 possible. Ça, c'était les conditions de l'époque. Et ces conditions ont permis aux États de concentrer l'activité économique, comme le disent les auteurs à l'étude. Sauf que, autant du capitalisme monopolistique généralisé, selon le terme de Samir Amin, le pouvoir politique et économique est capté par les oligarques qui dirigent les principaux oligopoles. Là, je cite. Donc, les hiérarchies économiques locales et nationales, de plus en plus, sont étroitement dépendantes des hiérarchies mondiales. Donc, les conditions propices au fascisme pourraient très bien se diffuser à partir du non-lieu, pour le dire comme ça, de l'espace mondialisé. Et d'ailleurs, en 1942, Herbert Marcuse estimait que le fascisme pouvait croître et se répandre à partir de la sphère internationale. Il écrit que le nazisme n'est pas une affaire principalement allemande ou européenne. Je retourne à ma diapo. Quelques instants pour vous montrer cette citation. Donc, ce n'est pas une affaire seulement et même pas principalement allemande ou européenne. La structure sociale du système, indique Marcuse, a indubitablement des implications et ramifications internationales. L'expansion militaire et l'invasion de territoires étrangers ne sont pas les seuls signes de l'aspect international du nazisme. Et la guerre psychologique n'est pas sa seule voie pacifique à l'intérieur des démocraties. Le pas décisif, vers le fascisme dans les pays démocratiques est franchi par des natifs de ces pays et les forces motrices émanent des positions clés de la grande industrie. Et d'ailleurs, dans The Return of Fascism in Contemporary Capitalism, Samir Amin exprime sa conviction que non seulement nous assistons à un retour du fascisme sur la scène politique, mais que ce retour est lié à la crise du capitalisme contemporain. Il inscrit en fait le fascisme dans une dimension proprement globale. Pour lui, il ne fait pas de doute, et là je cite, que le fascisme est de retour à l'ouest, à l'est et au sud. Et ce retour est naturellement lié à la diffusion de crises systémiques du capitalisme monopolistique généralisé, financiarisé et globalisé. Le recours actuel ou potentiel au service du mouvement fasciste par les centres dominants de ce système, sous pression, exige la plus grande vigilance de notre part. Cette crise est destinée à empirer et, par conséquent, le recours à des solutions fascistes deviendra un réel danger. Donc, les hiérarchies très rigides qui accompagnent la phase actuelle du capitalisme monopolistique, donc qui se forgent finalement dans l'espace global, elles exercent une pression accrue, non seulement sur cette masse laborieuse qui est maintenant répartie à travers toute la planète et englobée dans un même système, mais aussi sur les États. Sur les États et sur les élites nationales qui sont en fait subordonnées à des superclasses globales, comme le dit Amine. Cette pression ne peut que favoriser une exacerbation de l'autorité au sens défini par Horkheimer à l'intérieur des frontières étatiques. Et le texte d'Amin va d'ailleurs dans ce sens. Le fascisme peut prendre corps dans un État, mais le capitalisme d'État n'est plus une solution. Les élites nationales doivent maintenant se contenter des quelques miettes restantes du gâteau ou s'allier entre elles. Et fait intéressant d'ailleurs, l'organisation Freedom House attribue à la pression de la mondialisation sur le marché de l'emploi un rôle décisif dans la montée de ce qu'ils appellent les mouvements populistes d'extrême droite nationaliste et xénophobe en Europe et aux États-Unis. Alors ça, c'est basé sur des données récentes. Bon, maintenant, j'ai abordé au moins un élément, n'est-ce pas, du fascisme classique que je vous ai mentionné au début. Je vais commencer avec le motif du chef charismatique.
Bon, le chef charismatique serait doté d'une aura mystique et exercerait un magnétisme mystérieux sur les foules qui l'attire vers lui en les interpellant au niveau émotionnel et en stimulant leur penchant irrationnel. Et ce, au mépris de tout clivage de classe. Donc, les clivages de classe ne comptent pas. Cette dimension occulte, bien sûr, elle n'est plus présente aujourd'hui, mais, et bon, l'irrationalisme n'a pas disparu, mais il adopte des formes un peu plus sobres, pour le dire comme ça. Par contre, à lire Adorno et Marcuse, les idées reçues sur le chef fasciste doivent être révisées. Les foules n'étaient pas hypnotisées par Hitler et le peuple allemand n'avait pas foi en lui, indique Marcuse. La foi impliquant ici une confiance aveugle par-delà toute vérification et compensation. Mais je cite toujours Marcuse. Si elles étaient supposées croire ce que leur leader leur disait, cette confiance était en réalité très limitée. Selon lui, elle ne tenait qu'à quelques politiques isolées, par ailleurs impuissantes à réaliser la transformation sociale dont le chef semblait incarner mystérieusement la promesse. Bon, les leaders et formations d'aujourd'hui affichent surtout, pour appeler un irrationalisme pratique. Et les supporters d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, sont issus des couches sociales les plus diverses. Et les leaders attirent les foules en faisant miroiter vaguement la perspective d'un sort plus enviable, donc qui ne vérifie pas nécessairement dans les faits non plus, tout comme à l'époque. Bien que, justement, les politiques concrètes mises en œuvre ne contribuent pas significativement à améliorer la situation des plus démunis ou à ralentir ou freiner le déclassement socio-économique des autres, hein, ce à quoi je faisais allusion il y a quelques minutes. Le fait que les foules attirées par le fascisme agissent contre leurs intérêts économiques réels peut sembler paradoxal. Bon, évidemment, c'est une situation qui peut résulter d'un manque de compréhension des enjeux et de leur issue probable, mais il y a aussi d'autres besoins qui entrent en jeu, qui sont soulignés par ces auteurs, des besoins d'ordre psychologique et émotif. Les leaders d'hier s'attiraient le support populaire par leur aptitude à articuler tout haut les préoccupations et le ressentiment de larges franges de la population à faire ce qu'elles n'oseraient pas faire, indique Adorno. Pardon. Et c'est exactement ce qu'elles attendent de lui, ajoute-t-il. Donc, les foules retirent dans ce processus-là une gratification qui repose principalement sur la démonstration de cette identité, j'emploie les mots d'Adorno, cette identité qu'elles sentent et pensent sans pouvoir l'exprimer. Cette gratification générée par la propagande fasciste et la manipulation savante des peurs, les peurs sociales, bon, la crainte du déclassement, du dénuement, etc., du chômage. Alors, tout ça, ça nourrit le conformisme et on sait combien ces tendances-là sont particulièrement fortes en contexte de crise et d'incertitude, comme aujourd'hui, par exemple. Et ça assure au fascisme, donc, qui ne peut remplir ses vagues promesses, comme l'indiquait Adorno, l'adhésion populaire qui lui est essentielle. Et sa tâche va être d'autant plus facilitée que la grande masse de la population présente déjà certaines tendances antidémocratiques, indiquait Adorno. Encore une fois, il est très facile de faire un parallèle avec notre époque et il faut être particulièrement vigilant en regard de ces choses. Madame Lavallée, oui. Pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Alors, on voulait vous accorder 25 minutes. Je vous ai déjà donné une période de grâce de 5 minutes. Vous êtes rendu à 30 minutes. Donc, il faudrait peut-être penser à s'orienter vers la conclusion. Et d'accord. Je vais sauver beaucoup d'argent. Ce que je vous encourage à faire, c'est que durant la période qui va suivre, durant la période de forum, oui. Peut-être dans la phase des réponses que vous allez faire aux interventions ou aux questions, peut-être vous pourrez réintroduire certains des éléments que vous n'avez pas eu le temps de traiter durant la conférence. D'accord. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement parce que là, je n'ai pas parlé du tout de la deuxième avenue qui existe, n'est-ce pas? Mais le papier va être publié éventuellement. De toute façon, vous pourrez revoir par vous-même. Donc, je voulais juste sur cette partie-là, la première partie, si vous me laissez un 10 minutes, ça va bien aller. 5 minutes, s'il vous plaît, parce que je vous ai déjà accordé 5 minutes de grâce. Bon, d'accord.
Alors, je vais passer donc, pardon, j'ai vraiment coupé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma deuxième partie, donc, qui porte sur l'utopie. Donc, je viens de brosser schématiquement un portrait très noir et il faut savoir que notre époque, qui n'est plus grise, n'est pas seulement noire. Il y a aussi le côté blanc des choses qu'il faut observer. Et de la même manière que pendant les 10 dernières années, on a vu une progression continuelle, finalement, de l'autocratisation, bon, autour de différents enjeux et éléments, comme je l'ai montré. En même temps, c'est une période dans laquelle les manifestations de masse pro-démocratiques ont atteint un sommet. L'année 2019 étant le point culminant, tout comme elle était le point culminant de ce mouvement d'autocratisation. Et l'activisme a continué également pendant la pandémie, donc tous les obstacles qui étaient, que sont les confinements, les quarantaines et les couvre-feux n'ont pas empêché les gens quand même d'aller protester contre le gouvernement, de faire des demandes de nature socio-économique, demandes qui déjà étaient de plus en plus présentes sur la scène, on se rappelle, durant au moins l'année avant la pandémie, bon, il y en avait constamment. Alors ça vient ébranler finalement le constat souvent répété d'un déclin inquiétant de la participation politique et d'une apathie politique généralisée qui serait au cœur de nos sociétés et qui nourrit ce conformisme contre lequel Adorno, Horkheimer et Marcuse ont souvent mis en garde. Alors, ce qu'on peut dégager, donc sur le plan théorique de ces choses-là, c'est que les actes de protestation indiquent, selon moi, que le voile idéologique qui recouvrent les souffrances humaines et dissimulent leurs sources, donc un système fondé sur des relations d'exploitation et d'injustice que l'on a appris malgré nous à considérer inéluctable, eh bien ce voile commence à se rompre. Et le contexte de la crise sanitaire, en ouvrant la voie à une aggravation des violations et inégalités observées et en créant de nouvelles, comme je le disais, les a rendues plus visibles. Donc, on ne peut plus les nier. On ne peut plus les dissimuler et les gens qui les subissent sont de moins en moins capables de les supporter. Alors, Adorno disait en fait que le premier pas vers un monde sans souffrance, c'est la pleine reconnaissance de la souffrance, ce qu'il appelait en fait l'élévation de la souffrance au niveau du concept, en langage très philosophique, et le refus de vivre dans un monde où la souffrance persiste. Cette prise de conscience, elle s'exprime dans les refus et des anticipations d'une société différente qui, j'estime, sont très présentes dans toutes ces manifestations et ces mouvements. Alors, juste une remarque sur le terme d'utopie, parce qu'il est là et que je dois quand même en toucher un mot. Ce terme-là, on le rencontre à plusieurs reprises dans les travaux des trois auteurs à l'étude, mais l'utopie qu'ils envisagent n'a rien à voir avec les histoires fantastiques, des chimères, donc d'un monde parfait, surhumain, qui n'existerait nulle part. Au contraire, l'utopie, c'est quelque chose qui se distingue par sa sobriété. Elle est possible ici et maintenant. L'utopie réside dans l'accessibilité universelle aux ressources matérielles et avec celle-ci, aux ressources intellectuelles et culturelles, dont l'abondance permet déjà depuis très longtemps de combler les besoins de tous. Ce sont des choix politiques et économiques qui les mettent hors de portée du grand nombre et par-delà les rapports de propriété établis et relations de production afférentes. Donc ça, c'est une idée qu'on retrouve chez les trois auteurs formulée en différents mots presque à l'identique. Et cette accessibilité universelle est appelée à se réaliser dans le cadre d'un rapport respectueux plutôt que prédateur à la nature. Les trois auteurs ayant dénoncé à répétition le caractère excessif et donc destructeur de l'effort humain pour dominer la nature, qui a pris une première revanche précoce sur l'être humain en le contraignant à réprimer sa propre nature. Tandis qu'aujourd'hui, nous percevons partout le danger immédiat que cette surexploitation fait peser sur la vie humaine et sur le vivant dans son ensemble. Donc, l'utopie en termes actuels, le développement durable, ça implique le développement durable et la simplicité volontaire. Et, comme Horkheimer le disait, elle réside aussi, l'utopie, dans une démocratie qui réalise le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, au plein sens du terme. Donc, et ça, ça,
ça part aussi de la prise en charge des inégalités économiques, hein, de l'éradication des inégalités économiques. Et cette exigence, donc cette utopie, elle est loin d'être fantaisiste et dans ces refus que l'on voit aujourd'hui dans ces initiatives qui sont prises aussi en contexte de pandémie pour fournir à des populations fragilisées des ressources dont elles ont besoin, bien, j'estime que ce sont des signes encourageants qui montrent que déjà, il y a quelque chose qui se met en marche. Alors voilà, je vais arrêter ici. Je suis désolée d'avoir débordé autant. Merci beaucoup, Mme Lavallée. Puis, croyez bien que je suis désolée d'avoir dû restreindre l'espace de temps dont vous disposiez, mais malheureusement... On n'avait pas averti. Et le rôle ingrat que j'ai. Je vous explique un peu comment va fonctionner la période d'échange. Alors, en temps normal, on fonctionne avec une sorte de débat où les gens posent des questions à la conférencière, elle répond, et on avance comme ça à l'intérieur de la période de débat. Dans le format forum, c'est un peu différent. Alors, j'en profite pour en informer aussi notre conférencière, parce que peut-être elle n'était pas au courant, puisqu'on n'avait pas prévu d'utiliser le format forum aujourd'hui, qu'on avait expérimenté avant Noël. C'est les circonstances qui nous amènent à le réutiliser, étant donné l'absence de notre collègue M. Couture. Alors, la façon dont ça fonctionne dans le forum, c'est-à-dire que les gens peuvent soit poser une question à la conférencière, soit intervenir sur une question qui est posée, ou soit intervenir sans poser de question pour lancer une sorte de réflexion sur laquelle les autres peuvent rebondir. Donc, je ne sais pas si tout le monde comprend bien comment ça fonctionne. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez faire une intervention fleuve de 10 minutes, parce que si vous vous lancez dans une grande envolée oratoire, je vais être obligé de vous demander d'être plus ciblé, un peu plus circonscrit, pour que tout le monde puisse parler, parce qu'on est quand même plus de 35 personnes là, qui suivent le forum. Et je vais vous demander aussi autre chose, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a une icône qui permet de lever la main, mais c'est compliqué de suivre avec 35 personnes. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'utiliser le chat pour demander la parole. Vous avez une icône de chat, je ne sais pas si tout le monde est familier avec, là. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître une colonne à droite et vous pouvez demander la parole et soit sur Facebook, soit en direct, on va me transmettre l'information et je vais prendre des tours de parole et je vais vous accorder la parole à mesure que les tours de parole défilent. Donc, je répète, soit vous posez une question à la conférencière, soit vous lancez une piste de réflexion sur laquelle les autres peuvent rebondir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord, alors n'oubliez pas, lorsque vous intervenez, s'il vous plaît, par politesse, de non seulement activer votre micro, mais aussi votre caméra pour qu'on vous voit. C'est une simple question de civilité. D'accord, alors est-ce que quelqu'un maintenant veut lancer le forum, soit par une question à Mme Lavallée, soit pour une pièce de réflexion qu'elle proposerait à l'Assemblée? Alors, M. Emmanuel Scrive, allez-y, on vous écoute. OK. C'est Marie-Josée. Au niveau... parce que moi, j'ai remarqué dans mes études en ce moment que le libéralisme est fort dans la tradition philosophique et poétique dans laquelle on fait. Mais j'ai remarqué aussi qu'on dirait que le libéralisme est allergique à ce que l'État puisse avoir assez de pouvoir pour pouvoir intervenir au niveau, mettons, des faits sociaux, au niveau de ce que le peuple a besoin, dans le fond, pour pouvoir mieux se comporter, voyant, résultant des inégalités créées par le capitalisme mondial, dans le fond. Et parce que j'ai remarqué, si on regarde aux États-Unis, avec il y avait comme en 2016 trois versions de ce qui peut être fait, très connues, Hillary Clinton, Trump et Bernie Sanders. Et en fond, Hillary Clinton, c'était le statu quo. Et Trump et Bernie, c'était vraiment très... on va faire un changement. Mais en un, c'était... dans le fond, on va utiliser... Dans le fond, Trump, on dit, j'ai l'impression qu'il a utilisé la carrière des personnes, mais juste au niveau
d'inciter, de détourner cette force-là vers des troubles sociaux et pas les aider économiquement, quand tu aurais pu avoir une autre version comme Brainstorms qui a pu aider. Donc, je me demande, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, étant dans un paradigme soit libéral, soit plus autoritarien, comment on pourrait faire en sorte qu'on puisse donner cette aide-là aux personnes qui en ont besoin sans avoir peur d'appeler ça de l'autoritarisme? Bon, il y a plusieurs choses dans ça qui touchent des motifs que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans ma conférence. Premièrement, c'est ça que je mentionne toujours dans mes cours aussi, il y a un problème fondamental avec le libéralisme, c'est qu'il y a une contradiction entre les valeurs libérales, bon, la liberté, les droits, la justice, et ci et ça, et le libéralisme économique. Le libéralisme économique prône le fait qu'au fond, c'est la liberté de s'enrichir, de faire ce que l'on veut. Sauf que cette liberté de choix-là, elle n'est pas égale à tout le monde dans un système qui est inégalitaire. Et quand ce principe-là, finalement, qui, on le voit au courant du 19e siècle, va toujours... Bon, le libéralisme a favorisé, bien sûr, la destruction de ce qu'on peut appeler l'absolutisme. Il y a le passage par les monarchies constitutionnelles et tout ça, la représentation politique, mais la représentation, qui étaient les représentants, ce n'est pas le petit peuple. Les représentants étaient les bourgeois, donc cette nouvelle classe hein, d'argent qui veut du pouvoir à la mesure de son pouvoir économique. Ce qui fait que finalement, la démocratie au 19e siècle, sauf certaines expériences, c'est un peu une tromperie. Et ce que ces auteurs-là expliquent, et pour eux, c'est clair qu'il y a un lien entre libéralisme et... Bon, pour eux, le totalitarisme n'est pas un système politique, il ne décrit pas une structure politique. Le totalitarisme, c'est le fait que toutes les relations sociales, tous les processus se rapportent à une même force. Et cette force-là, c'est le capitalisme. Bon, on peut être d'accord avec ça ou pas. Mais ça, c'est le noyau de leur réflexion. Et là, parce qu'au fond, le libéralisme économique est allé trop loin, bien, dans le processus, il attaque le libéralisme politique, il le rend impossible. Et ça, on le voit très bien dans l'histoire de la démocratisation, dans la dernière décennie du 20e siècle, là où on a ce fort courant socialiste qui apparaît autour de la Deuxième Internationale et tout ça. Il y a vraiment les contradictions sont claires et ça génère beaucoup de débats. Donc, c'est pour ça que ça crée une insatisfaction parce que, OK, on nous dit vous êtes libre, oui, la société est juste ça, mais moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Mais pourquoi? Et eux, ce qu'ils voyaient, c'est justement le problème du libéralisme économique qui tue le reste. Et quand le libéralisme économique se retrouve dans une situation où il n'y a plus vraiment de compétition parce que, disons, le capitalisme entre en crise tranquillement, donc ça, c'est toutes des analyses marxistes. Et là, je me reporte à ces auteurs-là. Donc, quand le libéralisme économique, la compétition de tous contre tous n'est plus possible parce qu'on se retrouve dans un contexte d'accumulation qui est plus étroit, eh bien là, le libéralisme politique disparaît encore plus. C'est vraiment une concentration qui se fait au niveau économique et une concentration du pouvoir politique, ce qui aboutit finalement à l'État autoritaire ou l'État... nazi, bon, peu importe dans la forme que ça a pris, on a eu un peu ce phénomène-là. Donc là, l'État dans pour ces penseurs-là est un appareil de domination. Appareil de domination qui est au service hein, du capital. Ben, vous avez suivi mes cours, Emmanuel? Donc, vous savez que chez Wallerstein, on retrouve cette idée-là aussi chez Samir Amin. Eh bien, au fond, l'État n'est rien comparé au capitalisme. Le capitalisme, c'est comme cette grande force hein, qui n'est pas vraiment personnalisée et qui génère, donc qui façonne les différents processus sociaux, politiques et tout ça. Et les pays, donc, les États, finalement, ont la marge de manœuvre qui est possible selon ces mouvements donc de l'accumulation du capital. Donc, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et une des choses qui peut un peu, et c'est une chose que Enzo Traverso souligne dans son livre « The New Faces of Fascism », le problème avec ce qu'on appelle le populisme, c'est que ça décrit des... quand c'est pas un style politique, une rhétorique adressée à la masse pour l'exciter et tout ça, et pour générer
son mécontentement envers le système, eh bien, le populisme, en fait, ça revient à, ça exprime, quand on le regarde du point de vue de la masse, des insatisfactions à l'égard du système. Il y a aussi, bon, on retrouve beaucoup une dénonciation, par exemple, des élites, bon, Trump, il y avait ce discours-là à la bouche, par exemple, on va aussi, blablabla. Et les trois auteurs que j'ai comparés, donc je n'ai pas eu le temps d'y venir, ils voyaient la même chose aussi à l'époque, donc du fascisme historique et après le fascisme historique. Et le problème, c'est qu'ils ont des griefs communs, donc les mouvements émancipateurs et ces mouvements-là de droite. Mais pour les mouvements de droite, il est clair que ces avantages-là doivent revenir à un certain groupe, pas à tout le monde, à un certain groupe. Tandis que pour les mouvements émancipateurs, donc qui sont plus dans une mouvance de gauche, eh bien, eux vont plus lutter pour la reconnaissance, donc pour une inclusion, donc pour un changement qui est inclusif. Tandis que la droite, elle veut un changement, mais qui est exclusif. Donc, ça explique des contradictions supplémentaires qu'on voit justement sous nos yeux. Alors, j'espère que j'ai répondu. Ben, peut-être juste Monsieur Scribe, je m'excuse, mais on a plusieurs personnes qui veulent intervenir. Alors, si vous permettez, je vais laisser d'autres personnes intervenir. Et si jamais il reste du temps à la fin, vous pourrez avoir une deuxième intervention. Alors, j'avais Franck Giroux qui voulait poser une question et ensuite Mme Ève Séguin qui s'est annoncée. Alors, France, je te donne la parole. N'oublie pas d'activer ton micro. Oui, alors ça va comme ça, Jean-Claude? Oui, alors Mme Lavallée, merci pour la conférence. Vous nous avez laissé un peu sur notre appétit, mais peut-être qu'il y aurait lieu, moi j'ai pensé à ça sérieusement, à un volet 2. En tout cas, de mon côté, je l'apprécierais beaucoup. Et puis, comme vous disiez, les actes de protestation qu'on disait couramment, finalement, pas si courants, on disait les gens se désengagent, ils ne vont pas voter. Et là, contrairement à ce qui est arrivé tout à fait à la dernière campagne électorale américaine, entre autres, les gens vont voter et il y a d'autres mouvements de protestation. Il y a déjà eu avant même sur les banques, le Tea Party, il y a eu Occupy Wall Street qui disait comment ça se fait que les gens s'enrichissent si vite quand ils ne sont pas dans le 1%, ils sont dans le 0,1%, ce qui est encore plus petit, mais et puis plus riche peut-être. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas vu venir ces choses-là et puis on se retrouve, comment peut-on maintenant vraiment discuter avec certains de ces groupes-là dont certains sont authentiques, d'autres non, parce que le Tea Party a été encouragé par l'élite républicaine, donc il a peut-être été fabriqué artificiellement, tandis qu'Occupy Wall Street, c'est complètement différent et il n'a pas maintenant l'appui dans un parti institutionnalisé qu'a le Tea Party encore, qui continue d'une certaine façon, là, peut-être moins vigoureuse, mais qui est toujours là. Alors, je me demandais comment, dans un contexte où on est parfois dans des fausses nouvelles, dans des réalités parallèles, des vérités parallèles, comme dans le fascisme, et puis on essaie de protester, mais comment protester et dialoguer et avoir un dialogue avec l'État si soi-même on est souvent dans une autre réalité qui est une réalité parallèle. On n'est pas dans un dialogue où on parle de concepts sur lesquels on s'entend tous. Par exemple, dans l'insurrection du Capitole, il y a des gens de droite, de l'extrême droite, qui croient que ça a été fait par la gauche, l'insurrection du 6 janvier. En fait, ce que je veux dire, c'est que le fascisme, semble-t-il, aurait semé tout ça. Ces vérités parallèles-là, en parlant d'un peuple finalement qui, déjà on dit que le peuple est difficilement trouvable selon Rosa Vallon, mais on se retrouve avec un concept de peuple qui a été politisé par le fascisme et qui vit dans la mystification des idéologues, des leaders. Bon, je vais prendre ça par différents bouts, mais les trois auteurs que j'ai étudié avait une commune tendance à dénoncer ce qu'ils appelaient le nominalisme. Justement, ça fait partie de tout
tous les longs développements sur le concept chez Adorno, qu'on retrouve aussi chez les autres, mais moins développés, à l'effet que souvent le problème, c'est que les mots ne s'appliquent pas aux réalités auxquelles on les applique. Et là, ça devient trompeur. Comme, bon, l'exemple que Adorno donnait, l'exemple qui m'en vient typiquement en tête, c'est, bon, on ne peut pas définir positivement la liberté parce que ça voudrait dire qu'on ancre la liberté dans certaines expériences et qu'on l'associe à certaines références. Et là, il dit, par exemple, bon, dans le contexte nazi, dans le contexte de l'Allemagne nazie, la liberté, ça voulait dire quelque chose de tout à fait différent. Ça voulait dire qu'on ne frappera pas à ta porte à 6 heures du matin et qu'on va t'emporter et qu'on ne te reverra plus jamais. Ça, c'est un terme vraiment minimaliste. Ça veut dire, au fond, la liberté, à ce moment-là, voulait dire vraiment de ne pas être soumis à la violence arbitraire de l'État. Mais en contexte non fasciste, bon, fasciste allemand, évidemment, mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant. Bon, le problème, c'est que la première chose, c'est que les mots, souvent, sont utilisés pour désigner différentes réalités qu'elles ne représentent pas. Et je mentionnais au début le fait que, bon, même les leaders aujourd'hui de pays qu'on estime, qu'on qualifie d'autocratie, eh bien, ils maintiennent quand même des élections. Ils maintiennent une espèce de multipartisme de façade, mais complètement vidé de toute essence. Finalement, il n'y a pas vraiment de multipartisme. Les élections sont truquées. La société civile est muselée et tout ça. Mais on sent le besoin de garder quelques caractéristiques qui ont l'air démocratiques. Mais pourquoi? C'est parce que il y a comme un tabou aujourd'hui à rejeter ouvertement la démocratie, à dire « je ne suis pas démocrate, je pense que la démocratie est mauvaise ». Et pourtant, c'est ce que ces formations-là et leaders-là font tout le temps. C'est-à-dire qu'ils l'attaquent, mais sans le dire. Et Adorno avait d'ailleurs remarqué cette tendance-là aussi chez des démagogues fascistes, par exemple aux États-Unis dans les années 40, et il a vu la même chose aussi en Allemagne dans les années 60. Donc, ça, c'est une pratique qui est courante. Et oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous. Je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est justement d'essayer de développer cette distance critique et de se questionner à chaque fois. Et ça, ce n'est pas nécessairement facile non plus, parce qu'il faut comme être toujours en éveil, puis on est bombardé de toutes sortes d'informations de partout. Se poser à chaque fois la question, est-ce que ce que j'entends là, ça semble aller dans l'intérêt d'une majorité ou d'une minorité. Et Adorno mettait en garde contre la chose suivante. Il disait qu'au fond, et là, je voulais y venir dans un point que je n'ai pas pu aborder, bon, c'est la question du projet, le projet idéologie positive, c'est-à-dire que même sous le fascisme allemand, il n'y avait pas vraiment d'idéologie claire, pas vraiment de projet non plus. Donc, lui, il démolit cette idée-là, qui est une idée très tenace, mais il dit, attention, c'est justement les pires fossoyeurs de la démocratie sont ceux qui se disent ses amis. Donc ça, je voulais y venir aussi dans mon texte. Et il estime que le flou, justement, autour des buts, parce qu'il dit, tout repose dans la catégorie, parce que, bon, il y a cette catégorie des fins et des moyens. Les fins étant... bon, ce qu'on veut atteindre, réaliser en tant que société, sur le plan collectif, et il dit, ce qu'on perd de vue dans ce phénomène-là, dans ces tendances-là, fascistes et tout, c'est les fins. On ne voit pas de direction, il n'y a pas de projet, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est flou. C'est seulement les moyens. Donc, on met en œuvre des choses ponctuelles sans qu'on ait jamais une idée de qu'est-ce qui se trouve en arrière, parce qu'il n'y a pas d'énoncé des fins. Et il dit, attention, parce que quand vous vous trouvez face à ce genre de discours-là, généralement, ce que ça dissimule, c'est que la fin, ça va être la destruction. Parce que les gens qui, au fond, vont s'accaparer le pouvoir pour leurs propres intérêts, ils le font pour une clique, ils ne vous le diront pas, mais c'est comme ça que ça va finir. Donc, c'est ce que je pouvais sortir comme... Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ça m'éclaire beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Mme Lavallée. Alors, j'ai Mme Ève Séguin qui voulait intervenir et soit poser une question, soit proposer une piste de réflexion. Allez-y, oui. Mme Séguin.
Oui, merci Madame Lavallée pour votre intervention. Alors, je suis Ève Séguin, je suis professeure au département de sciences politiques de l'UQAM et je suis spécialiste des théories politiques des sciences. Alors, je voudrais faire un court commentaire slash question. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la première tendance, celle à l'autocratisation, mais il m'apparaît qu'il faudrait la scinder en deux. Donc, cette autocratisation, elle prend d'une part la forme que vous avez très bien décrite du populisme ou du fascisme, mais elle prend également la forme de la technocratie. Ouais. Alors là, dans le cas de la pandémie de COVID-19, c'est une évidence. Bon, si je peux me permettre le terme, toute cette chasse aux complotistes, en fait, repose sur une très forte technocratisation de la gestion pandémique. Et comme vous êtes spécialiste de l'école de Francfort, évidemment, vous savez très bien que la réflexion sur la science et les technologies est très présente chez ses auteurs et notamment, évidemment, chez Marcuse. Donc, j'ai réfléchi depuis quelques années, j'ai notamment fait un article dans l'État du Québec 2019 où j'ai essayé de montrer la forme que prend cette technocratisation contemporaine. Et pour une fois, nous ne sommes pas laissés pour compte au Québec parce que le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, est un acteur essentiel de ce que j'appelle l'offensive technocratique internationale. Donc, je voudrais savoir si cette piste de technocratisation comme figure de l'autocratie vous semble intéressante. Est-ce que vous y avez réfléchi? J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, sauf que, étant donné, bon, j'essayais déjà de réduire mon papier au minimum, qui était très, très long. Et je savais que cet aspect-là, justement, j'ai une idée de manuscrit en tête et je voulais consacrer un chapitre à cette question-là. Parce que les écrits de l'École de Francfort nous permettent justement de percer à jour ce phénomène-là. Mais c'est clair que pour moi, c'est une question, je dirais, secondaire aujourd'hui parce que je voulais me concentrer vraiment sur les éléments visibles du fascisme auxquels on le rapporte souvent et montrer ce que j'ai pas eu le temps de faire que voici, en fait, selon eux, ce qui en était, et voici aujourd'hui. Et j'ai été obligée de laisser de côté cette question-là, qui est quand même très complexe. Elle est très complexe parce qu'elle va puiser beaucoup dans tous les écrits de Marcuse qui sont postérieurs à cette période-là. Donc, je me suis concentrée sur les écrits de cette période-là en particulier et les écrits qui portent sur le fascisme. Mais oui, c'est une piste à explorer. Et oui, pour eux, c'est clair que qui est en arrière de tout ça, c'est-à-dire le phénomène du fascisme, ça renvoie finalement à la modernité. Bon, même plus loin que ça encore, mais pour s'arrêter juste à la modernité, donc cette espèce de tendance de civilisation multiforme qui est apparue par la fin du 18e siècle, donc qui se caractérise par le fait qu'on rejette la foi au profit de la raison. Ça va de pair avec l'apparition de la technique, la généralisation. Ben, en fait, c'est pas généralisé tout de suite, mais il y a la technique qui apparaît. La technique devait être émancipatrice. Elle devait permettre finalement de surmonter la pénurie, le besoin constant. Et finalement, la révolution industrielle était grosse de promesses. Il y avait tout aussi ce fond d'idées libérales. Bon, justement, la liberté, la raison, la justice, donc qui faisaient leur chemin. Finalement, la modernité, c'est un phénomène multiforme, c'est au cœur de leurs écrits. Et pour eux, c'est clair que ce qui a pris la place, c'est qu'ils disent, bon, on avait foi en la raison, on pensait que la raison allait finalement mener automatiquement les êtres humains sur la voie du bonheur, du mieux-être, etc. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la raison, là, pour ne pas parler en termes trop complexes, mais chez Adorno et Horkheimer, bon, cette notion-là qu'il y a une régression de la raison dès les origines. On va laisser ça de côté. Mais qu'est-ce qui est important dans ça? C'est que la raison, la raison, si on veut, qui aide la société humaine à progresser, elle a été écrasée par un autre type de raison, pour le dire comme ça en termes simples. Et cette raison-là, c'est la raison instrumentale. La raison instrumentale, elle implique justement une tendance, une course à pousser le développement technique et technologique au plus haut sommet possible, parce que finalement, ce qu'il y a en arrière de ça,
c'est que ça devait libérer l'humanité du besoin, mais il y a cette volonté de domination de l'homme qui est trop forte, qui a pris le dessus. Et finalement, ça devient, si on veut, une espèce de fuite en avant de course où on veut montrer qu'on est capable d'aller toujours plus loin, faire plus, faire plus. Et cette tendance, on la retrouve dans les sciences. Donc, elle est devenue, selon eux, dominante dans les sciences. C'est visible dans le positivisme, ce qui a fait le positivisme aussi. Le développement des sciences est basé là-dessus. Et ils ont dénoncé aussi le fait qu'au 19e siècle, bon, la sociologie, la science politique, etc., se sont mis un peu au parfum du positivisme. Le positivisme, ça nous renvoie à ce que j'expliquais tantôt, le culte des faits, c'est-à-dire que au fond, on ne prend en compte que ce qui est visible, mesurable, reproductible, etc. Ça, ça implique qu'on repousse toute dimension transcendante, donc cette distance critique par rapport, par rapport au réel, et que finalement, on prend le réel pour acquis, c'est-à-dire si c'est là, si c'est visible, parce que c'est bien et c'est comme ça. Donc, ça amène une attitude qui n'est pas critique. Et c'est clair que pour eux, l'État aussi est un instrument de cette modernité, donc l'État qui se développe, et l'État, il est un dépôt de cette domination. Donc, clairement, si le développement effréné de la technique est un problème de premier plan, d'autant plus que pour eux, au fond, c'est un peu cette chose-là qui aboutit aux chambres à gaz. Et on a vu aussi à quel point, et ça, j'en parle quand j'enseigne, quand j'évoque la Première Guerre mondiale, tout le génie humain technologique a été appliqué à développer des instruments de destruction, mais d'une destructivité qui n'a pas de précédent. Donc, finalement, ça aboutissait à quoi? Alors, c'est un peu ça qu'il dénonce. Et évidemment, il y a toute une mentalité de l'être humain qui est adaptée à ça, à ce contexte, donc qui est complètement imbibé par la technique. Alors oui, clairement, pour eux, cette montée en puissance des experts, c'est quelque chose qui est un... Oui, c'est un vecteur de fascisme parce que il y a ce motif-là de la technique qui est en dessous et c'est évident, mais évident que ça tue la démocratie parce que, bon, il faut nous avoir lu quand même pas mal pour le savoir, surtout Adorno qui a tout à l'heure d'un pessimisme et j'ai découvert des choses incroyables dans ses écrits, que finalement, tous les trois... Bon, ils ont écrit dans le contexte du fascisme et après, ils reviennent sur ça, mais il y a eu une première phase aussi précoce et c'est clair que pour eux, ils croyaient en fait en un espèce de socialisme qui n'a jamais vu le jour. Donc, pour eux, ce qui serait bien, ce serait une troisième voie. Pas entre le communisme existant, qu'ils estiment finalement être juste une espèce de réplique de l'État capitaliste, mais finalement... tout simplement organisé différemment, mais vraiment un système dans lequel les êtres humains décideraient par eux-mêmes, donc autogestion et autodétermination au plein sens du terme. Et forcément, donc cette montée en puissance des experts vient tuer cette perspective-là. Donc oui, c'est un filon important à ajouter éventuellement, et oui, c'est un facteur qui contribue. Merci. Merci, Mme Lavallée. Alors, j'ai Josiane qui voudrait intervenir. Alors, Josiane, à toi. Oui, très rapidement, Marie-Josée, d'abord, merci de nous avoir si bien tracé le tableau et d'avoir été fidèle à ton titre en barbarie et utopie. Mais je me demande, de nos jours, je me demande, mais... Ce n'est pas le contraire, si nous ne sommes pas entre utopie et barbarie. Je ne veux dire pas le contraire, puisque tu n'as pas mis c'était dans la pensée de ces gens, mais de plus en plus avec cette raison, avec cette masse de gens, appelons-le fascisme qui l'emporte, qui vit dans une réalité alternative, qui vit dans des pseudo, enfin ce que nous considérons comme des faussetés, qu'ils considèrent comme des vérités. Est-ce que le débat entre raison et raison instrumentale, entre contrainte, entre anarchie, n'est-il pas dépassé
n'est-il pas désuet? Et je suis assez pessimiste sur l'état des choses, puisque n'importe quelle contrainte de la part de l'État qui est dictée par le bon sens en temps de pandémie est vue comme une violation des libertés. Comment peut-on progresser dans l'éradication ou dans la construction d'un socialisme qui devient de plus en plus utopique quand il y a pandémie après pandémie, parce que nous n'avons pas fini avec la COVID-19, et quels auteurs qui réfléchissent aujourd'hui sur les conditions de la raison, de la vérité, du progrès, ont-ils une chance quelconque d'aboutir? C'est un peu désenchanté, mais c'est la situation. C'est une question très complexe et je dois dire que je suis d'accord avec vous. Bon, j'ai présenté comme deux côtés. Il y a le côté utopique et tout ça, mais c'est clair que dans la situation actuelle, malheureusement, c'est le courant, cette espèce de courant souterrain post-fasciste qui me semble le plus fort. C'est dur à nier. Bon, je n'aime pas ça. Mais pour montrer, bon, il y a quand même des signes, il faut voir tout ça. Peut-être qu'un jour, tout ça va se cristalliser. Puis, je ne sais pas, ça demanderait en fait une transformation sociale complète. Et il y a une chose, parce que je me pose ces questions-là aussi, à quelles conditions un changement radical, une espèce de sortie de l'aliénation sociale serait possible? Et c'est vraiment triste, mais en tant qu'historienne des idées et tout ça, ce que je constate, bon, je viens de donner un cours sur la démocratisation cet automne, par exemple, mais seulement là-dessus. Et ce que je constate constamment, en fait, c'est ancré dans la nature humaine. C'est-à-dire que, et l'expression, bon, ils n'ont rien d'autre à perdre que leur chaîne, elle revient dans ce contexte-là. Parce que c'est comme si, au fond, quand les êtres humains ont un certain niveau de confort, quand ils ne sont pas attaqués directement dans leur survie physique, quand la survie de leurs proches n'est pas en jeu, quand ils ne vivent pas en contexte d'insécurité, ils ne vont pas trop se poser de questions. Ils vont accepter l'état des choses tel qu'il est. Puis bon, il y a du chômage autour, mais moi, j'ai un travail, c'est correct. Il y a un manque. Moi, ce que je vois aussi, c'est un manque de souci de l'autre. C'est seulement de penser à soi. Moi, je suis correct, je m'en sors. Et il faut sortir de ce cadre de pensée-là. Et malheureusement, ce qui semble souvent être le catalyseur du changement social, peu importe que les résultats au final soient bons ou non, ben, c'est un état de difficulté économique et un état où finalement l'individu n'en peut plus et il va juste se révolter. Et là, le problème, c'est que dans un environnement où les technologies sont omniprésentes, dans un environnement où et ça, c'est quelque chose que les trois auteurs ici ont étudié. Ils sont beaucoup intéressés à la manière dont ça s'appelait la société industrielle avancée maintient les individus dans le giron en allant manipuler leurs besoins. Et ça, je n'embarquerai pas là-dessus, je peux en parler longtemps. Mais tout ça pour dire que finalement, dès qu'il y a un niveau de confort, cette volonté-là... Elle s'effondre, on accepte les choses telles qu'elles sont. Moi, tant que ça va, c'est correct. Et finalement, c'est les contextes de crise majeure où il y a des masses de plus en plus importantes de personnes qui se retrouvent dans une situation de fragilité économique, qui n'en peuvent plus, de la pression trop grande, que là, voilà, on a une explosion sociale. Pour ne pas être pessimiste, c'est sûr que on est entré, bon, on parlait beaucoup de la crise de 2008 et tout ça, sauf qu'en 2008, il n'y a jamais eu de fermeture de commerce, l'économie a continué quand même, ce qui fait que la crise dans laquelle on entre maintenant, selon moi, va être beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde. Mmh. Et en continuant de plonger des gens dans des situations d'insécurité et de dénuement, on risque de voir un reflux, peut-être une multiplication de ces mouvements de protestation qui disent non, on ne veut plus accepter ça. Et je pense, parce que j'ai eu un certain espoir au début de la pandémie, j'ai dit bon, ça y est, là, les maillons du pouvoir viennent de se distendre un peu, il y a peut-être une chance, là, la gauche va réagir. Non. Et on voit qu'au fond,
les gouvernements ont été obligés de sortir de l'argent parce que, bon, il y a des gens qui sont malades, tout ça, qui ont plus de travail temporairement ou de manière permanente. Mais c'est toujours la logique néolibérale qui est là. Moi, je la vois revenir vraiment sur ses grands chevaux. Ça ne changera pas, malheureusement. Et cette logique néolibérale, ben, la seule façon, en fait, d'en venir à bout, ça va être quand les gens vont avoir assez. Parce que ça va amener, après la crise, et justifier par la crise, une solution qu'on connaît très bien, qui est d'austérité. Même si on dit, oh, non, c'est pas vrai, on n'en viendra pas là, c'est pas bon pour les sociétés. On prétend aussi que les dettes astronomiques des États vont se résorber tout seuls quelque part dans les mécanismes du marché. J'ai vu des rapports là-dessus, je trouve ça assez fantaisiste. Bon, peut-être vrai jusqu'à un certain point, mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans ce contexte-là et on a vu, bon, en Europe, quand il y a eu des situations très difficiles, des grosses campagnes d'austérité, que les gens ils finissent par se révolter. Donc, je pense que ça va être un effet peut-être cumulatif à long terme. Mais on ne va certainement pas se lever le matin et le monde va avoir changé. Mais je pense que ces signes-là sont encourageants parce que, comme Herbert Marcuse disait, pour lui, la première condition du changement social durable, c'est quand on voit que les gens ont développé de nouvelles valeurs. Ils ne veulent plus les valeurs du système. Donc, les gens qui sont, par exemple, dans les mouvements environnementalistes et les autres, ils sont capables de penser, de se projeter dans l'avenir. Et parce qu'ils se projettent dans l'avenir, ils ont comme une intuition de fin, des fins qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas une destruction de la nature parce qu'ils sentent que ça amène l'humanité et la nature à la catastrophe. Donc, c'est cette capacité-là de projection, de distance critique, dont je parlais un peu dans ma conférence et je n'ai pas pu développer, eh bien, je la vois à l'œuvre dans ces mouvements-là. Le problème, c'est qu'ils sont souvent déconnectés et c'est ça. Le problème est là, il faudrait que ces luttes-là soient liées d'une certaine façon et peut-être avec la généralisation des conditions de précarité, ça va se faire. Et même, j'irais plus loin que ça, je pense que, étant donné que tous les rapports, finalement, de domination se jouent beaucoup à l'échelle globale, puis, bon, la situation terrible des personnes qui travaillent dans les usines, dans les pays du sud global, donc pour le compte de multinationales, etc., on connaît ça. Je pense que la seule façon, c'est que finalement, il y a une révolte généralisée. Et bon, ça y est, on peut espérer, parce que l'histoire, quand même, contient des histoires, des récits de révolution, et ça se produit toujours quand les gens n'en peuvent plus parce que leurs conditions de vie sont rendues insupportables. Voilà. Merci, Mme Lavallée. J'avais demandé à M. Scrive d'attendre pour un deuxième tour. Alors, il me signale qu'il aimerait rebondir sur la question de Mme Séguin, là, des experts et du conspirationnisme soulevé par Josiane. Alors, M. Scrive, allez-y, je vous accorde un deuxième tour puisque vous voulez rebondir sur deux questions à la fois. Oui, merci. Justement, j'ai eu un peu un accès assez proche des conspirationnistes parce que dans les derniers mois, ma mère, mon beau-père, un de mes demi-frères sont devenus conspirationnistes, pro-Trump, à fond. Ma mère, il y a quelques jours, pense encore qu'il y aura une arrestation massive de Joe Biden et de tous les démocrates et tout ça. Donc, elle a dit que peut-être que jusqu'à hier, que regarde ce qui va arriver. Donc, je vois qu'il y a un problème assez important. Et une des choses qui semble être vraiment visible dans leur la façon dont ils voient les choses, c'est qu'ils sont contre les experts, justement. Ils sont contre les élites. Ils sont contre ceux qui prétendent avoir la vérité. Ils disent qu'ils ne veulent plus rien savoir ils disent qu'ils ne croient absolument plus rien des médias en général. Parce que en même temps, c'est vrai qu'avec la scientification positive et tout, il y a eu une complexification de tout ce qui est les moyens matériels et comment est-ce que les choses sont gérées. Et un des exemples de phrases que je trouve ridicule, c'est l'ignorance du droit n'est pas une excuse, mais en fond, quand on complexifie le droit le plus possible et qu'on empêche un accès le plus possible, ça aide pas. Donc, et se voyant dépassés par tout ça, ne voyant pas leur valeur à eux, mettons, genre chrétienne, étant mis
vu comme étant prominents à travers leur pays, ils se rejettent tout ça. Genre, eux autres aussi voient de la souffrance, mais ils se sont un peu fait, comme j'avais parlé avant, retourner dans le fond, au lieu d'essayer de faire qu'on... Pas qu'on fasse qu'on fasse, parce que je pense c'est... faut passer par le gouvernement pour pouvoir aider les gens, mais ils veulent pas passer au gouvernement, ils veulent passer par un leader charismatique, si on peut appeler ça charismatique, Trump. C'est pas OK. C'est pas lui. Je connais ton point. C'est ça. C'est pour ça qu'il passe par un leader dit charismatique. Il dit, oh, sauve-nous, Trump, sauve-nous, sauve-nous. Mais dans le fond, c'est son portefeuille qui importe. Donc, c'est pour ça que... C'est lamentable. Oui, en effet, c'est un problème dans le fond qu'on ne peut pas avoir accès à toutes les informations, et plus les informations se complexifient, plus deviennent grandes, plus que les personnes peuvent se sentir loin de tout ça. Et après ça, il y a des personnes, mettons, sur les réseaux sociaux qui disent, ah ben, lisez ces articles-là, je vais vous montrer la vérité, puis vous allez savoir par vous-même. Vous allez pouvoir découvrir par vous-même comment ça se passe et tout. Et voilà, oh, bien sûr, le COVID-19, c'était fait par la Chine. Bill Gates veut mettre des microvirus dans les vaccins, tout ça, blablabla. En fait, ça détruit un chemin. En fait, les faits sont construits et doivent être... La seule façon qu'on peut les faire, c'est avec des collaborations de personnes qui essaient d'être le plus... Peut-être, M. Scrive, conclure sur votre question, s'il vous plaît. Oui. Ben, c'est, en fait, c'est pas une question où j'enchaîne les commentaires, en fait. Je veux dire que en fait, est-ce que pour les ex... Je sais que les experts peuvent paraître problématiques, mais dans le fond, dans les conditions d'aujourd'hui, pour créer des faits, on en a besoin, mais il y a eu un bris de confiance en l'expert d'une grande partie de la population. Comment est-ce qu'on peut réduire ce problème-là? Résoudre ce problème de bris de confiance des experts, même si dans le fond, ils pourraient être vus comme étant problématiques. Mais nécessaire. Ça, c'est pour moi que je vais résoudre la question aujourd'hui. Mais peut-être pour... Il y a peut-être deux choses que je peux dire par rapport à l'irrationalisme. C'est, bon, c'est au cœur du livre « La dialectique de la raison » d'Adorno et Horkheimer. C'est que on pensait qu'au fond, en amenant la raison au premier plan, on allait se débarrasser du mythe. On se débarrassait de la foi, la religion qui semble qui est dénigrée à cette époque-là comme un instrument de domination. Sauf que la raison a tellement, c'est tellement hypertrophié que finalement on est replongé dans le mythe. Ça nous ramène un peu à ça parce qu'il y a une logique qui est à l'œuvre qui n'a aucun regard pour les fins. Donc, le progrès technologique continue. Il amène où? Personne ne le sait. D'avoir 100 nouveaux modèles de téléphone par année, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas de fin là-dedans. Ce qu'on sait, c'est que ça exploite des gens qui travaillent et les autres restent dans le système pour se payer ce truc-là. Et en plus, ça pollue. C'est la seule chose qu'on sait. Mais qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien. Donc, il y a cette espèce de retour de l'irrationnel dans un environnement, une société qui se pense rationnelle. Et ça, c'est un problème aussi que l'auteur Eric Feuglin, que je connais très bien aussi, a étudié, et lui, il mettait en garde contre la chose suivante. Si vous chassez la religion, eh bien, elle va revenir vous chercher, mais autrement. Là, au lieu d'avoir un rapport au transcendant, vous allez avoir vous allez voir revenir plutôt la religion sous des formes immanentes. Et là, pour lui, le nazisme est clairement une espèce de religion immanente qui est basée sur ce besoin de croire en quelque chose de supérieur qui va nous permettre de surmonter nos problèmes. Parce que nos problèmes sont tellement importants, on ne voit pas dans l'environnement social qui va nous sortir de là. D'où la tendance à rechercher un espèce d'élément totalisant, d'élément comme qui est au-dessus du social, au-dessus même des forces humaines. Et autrefois, on se consolait un peu avec la religion. Si on ne l'a plus, quel va être ce grand élément-là? Et là, ça peut favoriser cette attitude-là, surtout en contexte d'insécurité, de précarité. Là, on a une crise, on essaie... Bon, j'ai ma petite idée sur les raisons en tout, mais c'est pour ça que, justement, cette crise-là qu'on subit, on comprend pas trop d'où ça vient. Donc, on cherche des explications faciles. Le virus chinois, je trouve ça épouvantable.
c'est épouvantable parce qu'en plus, ça stigmatise un groupe particulier. Et ça, c'est quelque chose, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais cette pensée-là, par stéréotype, c'est typique du fascisme. Pourquoi? Parce que de dire le virus chinois, ça économise l'effort de se questionner vraiment sur les causes profondes de ce à quoi on assiste. C'est simple, c'est visible, c'est tangible. Donc, ça emporte l'adhésion plus facilement. Donc, étant donné qu'on est dans un environnement, et ça, ces auteurs-là le disent aussi, où tous les processus qui gèrent nos existences, on ne les perçoit pas, on ne les comprend pas, et surtout quand ça va mal, ben on va être porté, au fond, à aller vers des explications qui ont l'air plausibles. Et le problème, c'est toujours que j'ai malheureusement reçu cette semaine, j'étais vraiment horrifiée, une espèce de journal propagandiste carrément de droite. Et là, bon, c'est le noyau de ce journal. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça à la maison. J'étais vraiment horrifiée. C'est la notion du péril chinois, la menace chinoise de domination du monde. Je regarde et je dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça donne un espèce de gros tout qui explique plein de choses qu'on a de la difficulté à s'expliquer. Et voilà, et c'est rempli, c'est très bien fait. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que ce genre de propagande-là va jouer sur des faits. Ça a l'air objectif parce que je me réfère à des faits. Il y a eu ci, il y a eu ça. C'est le récit en arrière, c'est l'enrobage, le sens qu'on donne qui n'est pas rationnel. C'est pour ça que ça trompe les gens. C'est ça le gros problème. Il y a des récits qu'on entend, on sait tout de suite qu'ils sont fantaisistes, mais ce n'est pas ce type de récit-là qui est le plus dangereux. C'est ceux qui ont l'air vrais sans l'être, finalement. j'ai perdu un peu le fil de la question. Est-ce qu'il y avait une question à laquelle je devais répondre précisément ou ça répond... Oui, dans le fond, c'est... J'amène souvent un contexte dans ma pensée puis j'essaie de savoir qu'est-ce qu'on peut résoudre là-dessus. Peut-être j'essaie de synthétiser mes choses. Mais c'est justement le problème des rapports avec la population et les experts qui est en train d'être brisé à cause que les personnes ne comprenant pas leurs travaux et peut-être qu'il faudrait faire un meilleur travail de vulgarisation, mais et n'ayant pas confiance aux élites. Donc, comment est-ce qu'on peut un peu résoudre ce conflit-là de mal confiance entre une grande partie de la population et l'expertise? Il n'y a pas de solution miracle à ça et... À ce niveau-là, je vous renverrai peut-être à Pierre Rossand-Vallon, ses excellents travaux, sur la Révolution française, surtout l'histoire de la démocratisation que je connais bien. Et ce qu'il soulignait, c'est le fait qu'au fond, la société civile peut contribuer à mettre une pression sur les dirigeants en exerçant une fonction de surveillance. La surveillance, c'est le concept qui revient pour lui constamment dans les différents contextes, même où, au fond, il n'y a pas de régime qui ressemble à un régime démocratique. Il dit, oui, mais les citoyens peuvent exercer une pression. Et il y a un livre, d'ailleurs, de lui qui s'appelle, je me rappelle bien, c'est La contre-démocratie, il publie plein de choses que j'ai lues. Il me semble que c'est dans celui-là, où est-ce qu'il dit, au fond, le peuple peut agir de l'extérieur des institutions en ayant cette fonction de juge, en dénonçant, en démontrant. Mais pour ça, il faut participer, il faut se sentir engagé. Parce que oui, il y a des manifestations pour différents enjeux socio-économiques, mais ces questions-là interpellent moins en quelque part. On les sent moins urgentes. Puis ça fait partie finalement de cette fonction-là de surveillance, de cette fonction de juge que le peuple doit assumé selon Rossand-Vallon. Et là, bon, il disait par exemple qu'il y a les manifestations, il y a l'espace numérique, bon, plein de dispositifs comme ça. Je vous invite à lire ça parce que, bon, moi, je trouvais ça insatisfaisant personnellement, même si Rossand-Vallon est très bon, c'est une très bonne référence pour mes cours, mais personnellement, ça revient à dire qu'au fond, bon, c'est pas trop grave si le système ne change pas trop parce que on va dénoncer, on va surveiller, on va manifester, mais ça nous garde toujours dans le négatif. Et ce que je peux dire à cet effet-là, pour retourner à Adorno, Horkheimer et Marcuse, c'est qu'en quelque part, la négativité qui est très présente chez eux, la négativité,
débouche sur quelque chose de positif. Parce que la négativité implique de s'opposer au système, de refuser le système, de refuser les valeurs qui vont avec le système, de refuser de se soumettre au système. Donc, c'est pour ça que leur notion de l'utopie passe parfois inaperçue, parce que l'utopie, elle se réalise comme ça. D'abord, c'est pas, ils ne veulent pas formuler quelque chose de positif, parce qu'à l'époque, il y a un tabou, il y en a encore un aujourd'hui d'ailleurs, avec les idéologies positives. Surtout, on pense par exemple bon, au communisme, qu'est-ce que ça a donné, c'est pas du tout ce que ça devait être. On avait en tête à l'époque aussi le nazisme, et c'est pour ça que bon, on voit chez Hannah Arendt aussi, dont je suis spécialiste, je connais très très bien, chez elle, on ne peut pas formuler quelque chose de positif parce qu'on risque de tomber dans une espèce de totalitarisme de la pensée et en même temps un totalitarisme social. C'est ce que je peux dire sur cette question-là. Bon, alors, il y a M. Cavé qui veut intervenir, mais auparavant, je m'étais mis sur la liste, alors je vais me permettre de poser une question puisqu'il n'y a personne d'autre à part moi et M. Cavé, d'après ce que je peux voir, qui veut intervenir. Alors, je voudrais revenir sur la question religieuse parce que je crois qu'elle est très importante aujourd'hui et elle a pris des formes que les penseurs de la première école de Francfort ne pouvaient pas prévoir. Ce qu'ils avaient vu, c'est qu'il y avait une dimension religieuse dans le fascisme qui était une sorte de néo-paganisme. Il y avait un retour aux mythologies nordiques, aux mythologies scandinaves, et il y avait là une volonté d'immanentiser la religion pour revenir à une forme de paganisme. Et on retrouve ces formes de paganisme aujourd'hui dans certaines factions du suprémacisme blanc. Par exemple, au Québec, on a un mouvement qui s'appelle les soldats d'Odin et qui veulent revenir à un paganisme qui est matiné de racisme blanc. Mais ça, c'est, selon moi, assez marginal aujourd'hui. Ce qui est plus inquiétant, c'est le retour des monothéismes théocratiques. Et ça prend deux formes. Et ça, selon moi, c'est plus dangereux que le néopaganisme. Alors, il y a évidemment celle dont tout le monde parle parce qu'elle est très, très visible, et qui est l'islamofascisme. Alors, on sait qu'il y a une frange extrémiste de l'islamisme politique qui veut une théocratie qui est incompatible avec la démocratie et qui sont prêts à tout pour y parvenir. Heureusement, ce n'est pas la majorité des musulmans, Dieu merci, mais il y a effectivement une frange extrémiste qui va dans cette direction-là. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il y a aussi un mouvement théocratique interne aux sociétés occidentales. Et aux États-Unis, il est très, très fort. Les évangélistes américains sont maintenant 80 à 90 millions. Donc, c'est près du quart et même un peu plus du quart de la population américaine. Et Trump, qui est un mécréant parfait, a parfaitement compris qu'il devait flatter cette partie de la population et de l'électorat. Et c'est pour ça qu'il a nommé 3 juges à la Cour suprême qui sont hyper conservateurs, qui vont la verrouiller pendant 30 ans et qui vont se prononcer de manière conservatrice sur les questions de l'avortement, de l'homosexualité, des transgenres, etc. Et il a nommé aussi une 50aine de juges dans les cours d'État. Alors, il voulait flatter cet électorat. Il a même juré sur la Bible, lui qui n'a jamais été croyant de toute sa vie. Alors, et rappelez-vous que Mike Pence, le vice-président, est un fondamentaliste religieux. Alors, je voudrais savoir, Mme Lavallée, comment vous considérez cette dimension du retour de la théocratie monothéiste qui me paraît beaucoup plus prégnante et beaucoup plus dangereuse que le retour du paganisme? Bon, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en m'appuyant sur les auteurs que j'ai étudiés ici. Ça me ramène plutôt dans mes travaux un peu plus anciens qui remontent à quelques années, quand j'ai notamment étudié le travail de Éric Pleguin. Éric Pleguin s'intéressait beaucoup à ces choses-là. Et ce qu'il, selon lui, en fait, j'ai comme abordé un peu cette question-là tantôt, ce qui expliquait des mouvements, par exemple, bon, ou même le nazisme plus court, ben, c'est une espèce d'immanentisation d'une religion qui a perdu toute racine, finalement, avec le transcendant. Et il explique que ça remonte à la réforme. Donc pour lui, cette histoire-là, c'est une longue affaire, ça remonte à la réforme. Le problème étant que
on a commencé alors à se concentrer, ça va chercher, je pense, dans Weber aussi, on commence à se concentrer sur le bonheur sur Terre. Qu'est-ce qui arrive après? On s'en moque. Ce n'est pas important. C'est les fins terrestres qui sont importantes. Et puisque les fins terrestres sont importantes, et finalement, les moyens deviennent un problème. Parce que ça crée une espèce de croyance factice. Bon, pour résumer, bon, j'ai pas ça très frais en tête, je vous avoue. Et donc, il y a un contraste clair pour lui entre donc cette foi qui est authentique. Mais lui, il voit ça comme un phénomène de civilisation. Phénomène de civilisation au sens où, à un certain moment, c'est toujours la modernité. C'est tous les auteurs allemands qui soient... Lui, c'est un archi-conservateur, contrairement aux théoriciens de l'école de Francfort. Lui, c'est un archi-conservateur, mais c'est tout le temps le même problème qui est pointé, la modernité. Et pour lui, et pour les autres aussi, la modernité, ça remonte à ce 15e, 16e siècle, où finalement la science commence à ruiner la position sociale de la religion. Et ça s'inscrit dans ce sillon-là. Donc, pour lui, c'est une tendance de civilisation, ce qui ne veut pas dire... Mais dans ces travaux que je connais à fond, je n'ai pas vu cette idée-là... Ben, en fait, oui, c'est présent. Il pense que l'individu peut garder un contact réel avec une religion authentique. Il pense que c'est possible. Mais, de manière générale, les civilisations se sont détachées de ça et se sont tournées, par conséquent, vers d'autres formes de croyances, d'autres espèces de systèmes totalisants, comme j'en parlais un petit peu tantôt, qui prennent la place de la religion pour apporter une réponse à ces questions d'où je viens, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et étant donné qu'on est dans un contexte d'insécurité, d'incertitude, bon, le contexte économique était quand même assez contracté là, avant que tout ça débute. Ça favorise ce type de choses-là, je pense, mais simultanément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont gardé une foi authentique. Donc, c'est un peu cette chose-là qu'on voit chez Veuglin. Donc, de mémoire, c'est ce que je peux vous dire sur ce plan-là. Merci. Josiane, je pense, voulait un deuxième tour de parole pour ajouter quelque chose concernant la science et l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris. Simplement, quand on parlait de la question des experts ou du rejet des experts ou de l'impuissance des experts et la place de la religion, à côté, justement, tu as parfaitement raison, Jean-Claude, de souligner l'importance et la résurgence de la prégnance de la religion. Et il y a de plus en plus maintenant le passe-partout, ce qui va nous guérir de tous les maux, y compris le mot de la démocratie, c'est l'intelligence artificielle. Alors, simplement une réflexion, et puis en plus, je vois que Martine nous a rejoint, j'aimerais bien qu'elle pose une question, elle aussi. Elle connaît bien les théories de Francfort. Voilà. Je parle de l'intelligence. Ma question, elle tourne autour de la réhabilitation, de la même façon que tu réhabilites, ou pas que tu, toi-même, mais tu réhabilites l'importance de se poser des questions à propos de la religion. De la même façon, je me demande si les experts ne sont pas vengés avec cet engouement qu'on a présentement pour l'intelligence artificielle. Alors, Madame Lavallée, je ne sais pas si vous voulez réagir. Puis Martine a eu une invitation à poser une question. Je ne sais pas si elle voudra le faire. En attendant, peut-être qu'on peut entendre Madame Lavallée. Sur cette question-là, je suis un peu embêtée. Ça m'amène un peu loin de... des choses avec lesquelles je suis évidemment. Oui, évidemment. C'est le problème avec ça, c'est je reviens encore à cette question-là des moyens et des fins. C'est que l'intelligence artificielle, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une avancée, etc., en termes concrets. Sauf que il y a toute la question des fins. Qui souvent va être évacué. Bon, cette chose-là, par exemple, peut être bénéfique dans certains cas, mais est-ce qu'elle l'est toujours?
et quels sont les développements possibles qu'on ne voudrait pas, quelles sont les conséquences possibles qu'on ne voudrait pas, qui nous reconduit toujours à cette faculté-là, bon, la pensée critique qu'on doit pratiquer toujours et toujours avoir ce doute systématique, se poser une question, on ne va pas, pas le doute, le sens du complotisme, quoi que ce soit, mais vraiment basé sur, au fond, un questionnement qui se demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est normal de se poser ces questions-là, il faut le faire. Bon, d'une façon éclairée, oui. On revient au gouvernement, autrefois c'était le gouvernement des juges, c'est le gouvernement des experts et toute la théorie critique, à mon sens, c'est un combat dépassé qu'elle a mené au niveau de la raison critique, malheureusement. Il y avait Cavé qu'on a oublié, c'est pas gentil. Mais non, je ne l'ai pas oublié, c'est parce qu'il semble y avoir eu un malentendu. Là. Je pensais qu'il voulait poser une question, parce que oui. C'est plus certain. Mais parce qu'il a agité sa main. Est-ce que tu veux poser une question, Cavé? Oui, étant donné que... Je pense que tu vas poser la dernière question, parce qu'on approche 4 heures et après ça... Et Martine ne veut pas relever le gant. Il n'a pas indiqué d'intention dans ce sens-là. Bon. Okay. Étant donné que la conférence a été très riche, j'ose juste poser une question. Merci infiniment de votre présentation. Je voulais peut-être dire quelque chose concernant cette utopie, l'idée d'utopie, et le fait que, comme vous voyez, comme vous avez dit, cette idée d'utopie chez Marcuse particulièrement, entre autres, c'est un point négatif, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez de d'autres alternatives? Je pense, par exemple, l'idée de Alan Wright, Eric. C'est bon pour Josiane aussi, parce que c'est un genre de gauche qui parle de envisioning real utopias. Donc, il pense que c'est possible de réaliser des utopies réelles malgré cette indétermination, malgré le fait qu'on n'ait pas d'espoir pour... s'orienter vers un but très clair. Et qu'est-ce que vous en pensez, peut-être des idées plus prometteuses, si vous voulez? Je dois avouer que je ne connais pas les groupes dont vous parlez. Je suis en train de chercher une citation d'Horkheimer qui était un peu là-dessus aussi. Bon, je ne la retrouve pas. Mais en gros, Horkheimer se prononce là-dessus dans son texte « Autorité et famille, si ma mémoire est bonne ». Il dit au fond, c'est ça, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un plan quelque part? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et lui, il est convaincu que non, on n'a pas besoin de plan, même au contraire que ça peut être dangereux parce que l'utopie, au fond, elle se met en marche dans les gestes concret des individus qui refusent de se plier aux règles du système et qui, c'est sûr que si on fait ça seulement sur un plan individuel, on n'ira pas très loin. Je l'avoue, mais pour lui, c'était déjà un début. Il dit, bon, ben, les êtres humains, et là, j'ai une citation que j'ai retrouvée, n'auront pas besoin de se transformer autant pour régler un jour solidairement leurs affaires. Ils vont avoir besoin de se transformer beaucoup moins que par le passé. Et donc, ils font appel à cette faculté qui est l'imagination politique. Et là, ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est-à-dire la capacité justement à prendre une distance avec l'état existant des choses pour apercevoir qu'il y a toutes les ressources finalement matérielles, intellectuelles, culturelles et autres pour que l'humanité puisse s'épanouir existe, mais que c'est une question de choix politique qui fait en sorte, bon, des choix économiques et politiques qui fait en sorte que ce n'est pas accessible finalement et que tout ça reste confiné dans des cercles très étroits. Donc, j'essaie de trouver la citation. Excuse-moi, je l'avais coupée parce que je me disais que c'était excessif. Non, je suis désolée, je ne la retrouve pas. À ce moment-là. Non. Enfin, c'est les utopies salvatrices. Mais il n'y a pas de solution miracle dans ça, je pense. Vraiment pas.
Merci, Madame Lavallée. Merci beaucoup. Je crois qu'on a ouvert beaucoup de pistes de réflexion pour plusieurs personnes, et je pense qu'on a du matériel pour alimenter notre pensée pour plusieurs semaines. Je remercie tous ceux qui sont intervenus, et je voudrais remercier aussi nos deux génies technologiques, nos deux bons génies, alors Ida qui est notre régisseuse et Niloufar qui s'occupe de Facebook, et qui nous permet d'avoir ce format. Je remarque un peu, ça s'est fait comme ça, je pense, spontanément, qu'on avait la possibilité d'utiliser la formule forum, mais finalement, on a utilisé une formule plus classique parce que ça s'est orienté plus vers des questions posées à notre conférencière et des réponses. Mais c'est correct, je veux dire, on n'est pas obligé de se cantonner à une seule formule. Alors, les choses se sont développées sous une forme plus classique. Alors, moi, je pense que mon rôle s'arrête ici. Alors, je vais passer la parole à Josiane pour le mot de la fin. Je remercie aussi tout le monde. Vraiment, et Ida, Kavé, Nilou, et puis naturellement les participants, même les muets, qui étaient là nombreux, et Marie-Josée, qui nous a livré une bonne, grosse, riche réflexion. Tu n'as pas épargné ta peine, vraiment. Et ça nous donne un peu d'espoir, malgré tout, n'est-ce pas, monsieur Emmanuel? Malgré la présence de plus en plus grandissante des conspirationnistes et des fausses vérités, enfin des non, pardon, des vérités alternatives, des réalités autres qui écartent tous les faits, enfin, moi, c'est ça qui me fait le plus de peine. Et la question demeure, celle que Marie-Josée a posée, à quelles conditions pour s'en sortir? Et prenons appui, puisque ce sont les derniers penseurs qui ont pensé tout de même les crises et l'utopie. Elle a eu raison de les choisir. L'école de Francfort, c'est vrai. À part, naturellement, les auteurs de sciences politiques qui réfléchit. Je voulais simplement, juste avant de terminer, demander à Marie-Josée, mais le tableau de la fin, du commencement plutôt, oui. Où tu as montré les différents pays et les violations de la démocratie, mais les violations de la démocratie sont le plus souvent sont le plus apparent dans les systèmes dictatoriaux. Oui, évidemment, il y a un niveau. Il faudrait aussi s'en occuper. Oui, évidemment, il y a un niveau quantitatif plus élevé, mais ces tendances-là, donc les régressions, parce que quand on regarde la démocratie, en fait, c'est un phénomène dynamique, c'est pas une entité, si on veut, qui est statique avec des contours fermes et tout ça, ça c'est toujours en mouvement. Soit ça progresse ou ça régresse. Puis, c'est clair qu'on ne peut jamais prendre pour acquis ce qu'on a. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas dans un système, un pays où on a une espèce de régime centralisé, etc., que ça veut dire qu'on peut se sentir en sécurité pour le reste de nos jours. Parce que la démocratie, elle peut s'améliorer ou empirer. Et c'est là le problème. Et les régressions ont été beaucoup observées en Europe de l'Ouest et surtout aux États-Unis. C'est ça qui a dérangé le plus les analystes depuis les dernières années. Et c'est pour ça que là, ils sentent une urgence de se pencher sur ce phénomène-là. Mm-hmm. Même si quantitativement, les pays de ces régions-là sont plus démocratiques. Mm-hmm. C'est une question de la relation, le contraste entre quantité puis en fait le mouvement qui est en train de se produire. Merci beaucoup, ma chère Marie-Josée, et je vous rappelle que ça va être, que naturellement, ça va être enregistré comme les autres fois. Ida fait des merveilles avec des petits logiciels qui sont quand même le signe tangible du progrès de la raison scientifique. Instrumental. Oui,
instrumentale et nous en sommes bien contents d'en profiter. Comme ça, nous l'aurons, la Marie-Josée, à notre disposition autant de temps que nous le voulons, méditer sa belle et riche conférence. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.